Nous sommes petits-enfants du président Léopold Senghor, qui était notre grand-oncle. Et c'est à ce titre, comme tous les descendants de Djogoï-Basile Senghor, que nous avons tenu à accompagner sa veuve, donc Colette Senghor, dans sa dernière demeure. Je pense qu'au-delà du mariage avec le président Senghor, Colette Senghor s'était mariée aussi avec un pays. Et je pense que ce pays lui a bien... Elle a bien accueilli et elle a tenu à rendre la monnaie en demandant à être enterrée ici, en terre sénégalaise, aux côtés de sa famille, son mari, son fils. Et c'est tout à son honneur, mais aussi ça montre que le Sénégal est tel qu'il est, c'est-à-dire un pays d'accueil très ouvert et qui aujourd'hui est dans la philosophie de ce que a toujours prôné le président Léopold Senghor, l'ouverture et la diversité. Certains Sénégalais qui tenaient à témoigner sont là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'on est quelques années assez éloignées de l'époque du président Senghor. Et beaucoup de jeunes de la nouvelle génération ne connaissent pas forcément très bien le président Senghor, a fortiori son épouse. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais apprécient à la juste valeur le rôle qu'elle a joué en tant qu'épouse, mais aussi en tant que première dame au Sénégal. Efficace mais très discrète aux côtés de son mari.